Good morgen, allez, dans l'étude aujourd'hui, le Lunishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Arachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que dire Fouat, Sarah Bat Beti, Rivka Betor, Charles Cholé Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechat Menachot, Perikret Mishnah Dalet. Shlosha Zetim, Ubahen, Shlosha, Shlosha, Shmanim. Azait Arishon, Megar Gero, Berosh Azait. וקוטש ונותן לתוך הסל. רבי יהודה אומר, סביבות הסל. זה ראשון. טען בקורה, רבי יהודה אומר, באבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. הראשון למנורה, והשאר למנחות. הזית השני, מגרגרו בראש הגג. וקוטש ונותן לתוך הסל. רבי יהודה אומר, סביבות הסל. זה ראשון. טען בקורה, רבי יהודה אומר בבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. הראשון למנורה, והשאר למנחות. הזית השלישי, אותנו בתוך הבית עד שילקה, ומעלהו מנגבו בראש הגג, וקוטש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר, סביבות הסל. זה ראשון. טען בקורה, רבי יהודה אומר בבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. Arishon la menorah, ve achar la menorot, Mishnah qui paraît longue, mais qui est relativement simple. Et qui va se continuer aussi dans la prochaine Mishnah. On va apprendre dans cette Mishnah 9 niveaux d'huile, en réalité. Il y a 3 groupes d'huile que l'on va extraire des oliviers. 3 niveaux, selon plus l'olive va être exposée au soleil, plus elle va être bien mûre, elle va faire sortir une huile de meilleure qualité. Et il va y avoir 3 manières d'extraire, 3 niveaux pour extraire l'huile. La plus pure, après celle où il va y avoir un petit peu d'impureté mélangée, et celle où il va y avoir encore un peu plus d'impureté mélangée. Avec 3 niveaux d'huile selon le niveau de l'arbre. C'est-à-dire plus on va récupérer les olives qui sont tout en haut de l'arbre, de l'olivier, et c'est celles sur lesquelles le soleil frappe beaucoup, c'est celles qui vont être les plus mûre et riche en huile parfumée et savoureuse, d'accord, de qualité. Après, il va y avoir le deuxième niveau, après il va y avoir le troisième niveau, et de chacune, on va tirer 3 huiles, d'accord. C'est le principe général qu'on va avoir, donc ça va se répéter. Vous avez vu qu'à chaque fois, on a dit « Zerichon, Zecheni, Zechlichi ». Pour chacune, il va y avoir 1, 2 et 3. On va les appeler « Soug », « Sort », « Aleph », « Sort », « Bet », « Sort », « Shlichit » pour les 3 familles. Et chacune, elle va être en sous-classe Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, comme ça on va se comprendre quand on va parler. On en aura surtout besoin pour la prochaine Mishnah, lorsqu'on va les comparer, pour savoir lesquels choisir lorsqu'on a le choix pour accomplir une mitzvah. Ça, c'était une première notion à avoir, à introduire. Deuxième notion, c'est que la Torah a insisté que pour la menorah spécialement, qu'est-ce qu'on faisait avec de l'huile au Beth Amikdash? On pouvait soit allumer la menorah, je ne sais plus comment ça se dit, le chandelier. La menorah du Beth Amikdash, il y avait là-bas, c'est les 7 branches. Il fallait Shemen Zait Zar Katit Lamao. Il fallait prendre l'huile la plus pure. Et il va y avoir un procédé pour extraire cette huile. Et je vous le dis tout de suite d'ailleurs, le procédé est très simple, c'est qu'on va concasser, broyer, je sais pas, l'huile sans la réduire, sans la moudre complètement, mais juste l'écraser. On va être côté Shota. C'est-à-dire, en théorie, il faudrait dire le mot broyer, sauf que je sais pas pourquoi. Pour moi, en tout cas, le mot broyer, il a une consonance où on explose complètement l'huile, et là, ce n'est pas le but. Là, c'est qu'on écrase bien le fruit de manière à ce qu'il s'éclate. Après, on va poser cette huile, ces olives plutôt, et on va laisser s'écouler naturellement l'huile, et là, on va récupérer l'huile la plus pure. On va pouvoir le faire avec les 3 niveaux de l'art. Ça, ça va être le premier niveau, et donc cette huile-là, on va la récupérer, des 3 niveaux, on va la récupérer, et on va pouvoir allumer la menorah avec elle, c'est l'huile la plus pure. Avec le reste des huiles, on va pouvoir apporter ensuite des menachot, des oblations, dedans comme on a vu jusqu'à maintenant, qu'il va falloir apporter de l'huile pour la plupart des menachot. Et là, il va y avoir 2 niveaux supplémentaires. Le premier niveau va consister à poser une poutre ou des pierres. Il va y avoir une petite discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Ça va se répéter 3 fois la même discussion. D'accord? On va poser donc soit une grosse poutre, soit juste des pierres une à une, pour pouvoir continuer à presser un petit peu plus maintenant. Donc c'est plus l'huile qui va couler naturellement après avoir concassé l'olive, mais c'est plutôt maintenant on va l'aider un petit peu à sortir. Et là il va y avoir comme un petit peu d'impureté qui va commencer à mélanger. Ouais, des shmarim, ça s'appelle
des impuretés, pas pures et impures, certaines lois de pureté, impuretés des psolètes, quoi, je sais pas comment c'est dit. D'accord? Des déchets. Et donc des impuretés. Et puis ensuite, une fois qu'on aura extrait cette deuxième huile, alors on a encore un autre procédé pour maintenant extraire totalement toute l'huile possible qui se trouve dans le livre, c'est tout simplement de broyer complètement, d'écraser complètement, on les mou complètement, et on va récupérer maintenant cette pâte. Il y avait un nom spécial, il y a longtemps je vous avais dit le nom, j'avais cherché sur la Wikipédia, j'étais tombé sur du mouli, je sais plus, un mot un peu comme ça quoi. En tout cas, on récupère maintenant toute cette pâte, et dedans elle contient plein d'huile, et après on va la mettre à s'écraser, de manière à ce que l'huile va s'écouler, donc ce sera le troisième niveau de chacun des niveaux, d'accord, de chacune des familles des olives. On a à présent tous les éléments pour commencer, quasiment tous, sauf vous expliquer maintenant c'est quoi les trois familles. Je vous ai dit trois niveaux de l'arbre. Alors il y a celles qui sont tout en haut de l'arbre, ça veut dire première période, et ça va correspondre à trois périodes de l'année dans lesquelles on va pouvoir cueillir les olives. On va commencer d'abord à grimper sur l'arbre pour partir tout en haut et là-bas aller pour cueillir une à une toutes les olives qui sont bien la tranche externe et supérieure, quoi. On va toutes les extraire une à une, on va les sortir. Après, le soleil va continuer à taper sur l'olivier, tant bien que mal. Celle du deuxième niveau maintenant, alors on va pouvoir de nouveau les extraire. Elles vont être appelées dans la Mishnah, celles qui se retrouvent, Berosha Gag, Azaïd Hachiné, Megargero, Berosha Gag, sur les toits. Parce qu'en fait, si on prend une maison classique de un étage et un étage de 1,5 à peu près, alors l'olivier il est soit beaucoup plus haut, soit maintenant il y a celle qui va correspondre au toit des maisons d'un étage, et après il va y avoir la partie inférieure où cette fois-ci ces olives elles mûrissent beaucoup moins, et il y a un procédé pour les faire mûrir, en fait c'est qu'on va les laisser au maximum sur l'arbre jusqu'à un moment on va les prendre, on va les retirer, on va les mettre d'abord dans une sorte de bassine où naturellement elle va délivrer toute sa chaleur et tout ça. Il va y avoir maintenant ce qu'on appelle du mohal. Il y a une sorte de transpiration qu'elle va, elle va transpirer, elle va devenir, naturellement elle va faire sortir son eau. Et grâce à ça, ça va commencer à faire ramollir les olives. On va les prendre, on va les mettre ensuite, on va les sécher. On verra ensuite dans quel ordre exactement. On va les sécher, parce que sinon ça peut faire pourrir l'huile. Entre parenthèses, comme pour le hétrog, si jamais il prend un coup, il faut vite le faire passer sous l'eau et ne pas le laisser avec le jus qui s'est libéré, parce que ce jus peut vous faire une tache sur le hétrog et rendre le hétrog pas soule. Un hétrog qui a pris un coup, c'est un peu embêtant, mais ça en soi-même, c'est pas grave. S'il a juste on a fait sortir un petit coup de jus, il faut vite le faire passer sous l'eau, et on le fait passer sous l'eau, ça enlève ce jus, sinon il y a de la chamitsout, il y a de l'acidité, et cette acidité, elle peut attaquer le hétrog et lui faire des taches. D'accord ? Même principe aussi avec les olives. Donc ça va, il va y avoir cette transpiration naturelle. C'est bien, c'est bon signe. Il va vite falloir le passer sous l'eau maintenant. Plutôt le sécher. Alors, ils ne nous ont pas dit de faire passer sous l'eau. Uniquement le sécher qu'il ne soit plus là. Et après, on va continuer à les faire sécher au soleil. Enfin, les exposer au soleil pour que le soleil va continuer à les ramollir. Après, de nouveau, on va extraire l'huile. D'accord ? On a toutes les données pour maintenant attaquer la Mishnah. On fait ça très rapidement. Shlosha Zetim. Il y a trois groupes d'olives. Ou Ba'en, Shlosha, Shlosha, Shmanim. Et pour chacune d'elles, il y aura trois et trois sortes d'huile, trois niveaux d'huile. Comment on fonctionne ? Hazait Harishon, la première famille des olives, la première famille, le premier groupe d'olives, la Soug Aleph, le tip-top. Alors on fait comment ? Megar Gero Berosh Hazait. Il va le prendre, apparemment c'est une à une. Mais la quête gargirim, les gargirim, c'est des graines. Là, il n'y a pas de graines, en fait, c'est des olives. Apparemment, on monte sur l'olivier et on les cueille une à une. Je crois que pour cueillir les oliviers aujourd'hui, il y a des techniques pour faire trembler l'arbre avec des machines, quoi, qui lui mettent des coups. Du coup, ça fait tomber toutes les olives d'un coup. L'olivier est très salissant, on en trouve beaucoup à Jérusalem. Ça salit énormément parce qu'elles tombent toutes seules dès qu'elles atteignent une certaine maturité, ça tombe par terre, ça salit par terre. Donc j'imagine qu'en fait on fait trembler l'arbre comme ça et donc les olives elles tombent naturellement. Là on procède pas de cette manière, on grimpe sur l'arbre et on les cueille, on les regarde une à une, celles qui sont sur la couche supérieure, on les fait toutes tomber. Ça c'est ce qu'on appelle Megargero Berosh Hazait. Vekotesh, et il les écrase, il les concasse. Venoten et Tochasal. Et il les met dans un panier en osier, et donc naturellement, l'huile va couler. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Pour Rabbi Yehuda va être plus mahmir sur la manière d'extraire l'huile la plus pure. Pour Rabbi Yehuda, c'est pas bon de faire ça. Ça suffit pas.
il risque d'avoir malgré tout un petit peu d'impureté qui va se mélanger dans l'olive. Il nous demande de faire autrement. Rabbi Odomar, c'est bivotassan. Il faut les mettre autour du panier. C'est-à-dire, je ne sais pas comment était le panier concrètement, mais il y avait un panier, il y avait un lieu, un endroit où on pouvait poser les olives concassées tout autour, mais pas dedans. Et de manière à ce que maintenant on va les poser, et il va y avoir l'huile qui va dégouliner, et donc elle va déposer ses éventuelles impuretés jusqu'à ce que ça va atteindre le fond du panier, de manière à ce qu'il va y avoir l'huile la plus pure qui va être récoltée en dessous. Sous ce panier, bien sûr, on posait un autre sans fil. Le panier, c'est quoi? À l'époque, le panier, c'était comme chez nous, une passoire. D'accord? Ensuite, c'est Rabbi Odomer, c'est Vivot Hassan, donc autour du panier. Zerichon, ça, c'est ce qu'on appelle la qualité 1 de la famille Aleph. D'accord? Qualité 1, Zerichon, c'est lui le premier. Ta'an Bakor, ensuite, il va mettre dessus une poutre. Rabbi Odomer, Vanim, non. Il ne va pas les écraser avec une poutre, qui est un gros truc qui écrase tout en même temps, c'est pas bon, ça risque de libérer trop de psolète, trop d'impuretés. Il nous demande, bah, vanim. Le partenaire, il précise, attendez que je le retrouve, bah, vanim, belo, bakora. Non, c'est pas lui qui l'a dit. Celui qui a dit, bah, vanim, c'était dans le Tiferet Israël, et m'a dit une à une. Donc ça correspond chez moi à la lettre 24, achat, achat, une après l'autre. Je ne sais pas exactement, il pose le pierre, je ne sais pas exactement comment il fait, d'accord, mais. Ok, donc ça doit être beaucoup plus long comme procédé. Zécheni, et là, tu as atteint le niveau 2 de la famille Aleph. Donc c'est le deuxième. Chazar vetachan vetan. Ensuite, une fois qu'il a extrait maintenant cette deuxième fois l'olive, l'huile, alors Chazar, il revient à la charge. Vetachan, cette fois-ci, il est mou complètement dans le boulin. Vetahan, et alors là, il repose la poutre, et il extrait toute l'huile qu'il peut y avoir dedans. Zeshlishi, il a atteint le troisième niveau d'huile de la famille Aleph. Maintenant, de ces trois-là, tu vas faire Harishon la menorah, Vehashar la menachot. Le premier, on va l'utiliser, c'est le Shemen Zaitzar Katit la Maor. Tu vas l'utiliser, l'huile de cette huile pure, pour allumer la menorah du Beth Amikdash. Et les deux autres, tu vas pouvoir les apporter pour les menachot. Ok, je continue tout de suite, après à la fin, je poserai une question qui m'a dérangé jusqu'à que j'ai lu la Mishnah de près. Donc Harishon la menorah et Hashar la menachot. Donc le, je sais plus comment est-ce que j'appelle niveau, on va dire pour la famille Aleph, niveau 1 pour la menorah, niveau 2 et 3 pour les menachot, pour les oblations, ce sera une huile kshera pour elle, mais pas pour allumer la menorah. Ensuite, Azayit Hasheni. Maintenant, la deuxième famille, le deuxième groupe, deuxième niveau de qualité d'olive. Ouais, il y a les olives et il y a les huiles. C'est une bonne manière de définir, comme la Mishnah l'a dit. Il y a trois sortes d'olives et trois sortes d'huile pour chaque olive. Donc, Azayit Hasheni, la deuxième olive, la deuxième famille d'olives. Megargero Beroshagag, cette fois-ci, il va partir en haut du toit, c'est-à-dire au niveau du toit, équivalent de 2,5 mètres, quoi, j'imagine. Pas tout en haut de l'olivier qui est encore plus haut, mais Megargero Beroshagag. Il monte sur le toit et il, au niveau du toit, il réussit à retirer, maintenant, c'est la deuxième tranche de l'olivier. Vekotesh, et même principe. Vekotesh, Benotan et Netochasal, il les concasse et il les pose dans le panier. Rabbi Yehuda Omer, Svivotasal, Rabbi Yehuda, il revient, il nous dit non, autour du panier, pas dedans, comme ça fait de l'huile encore plus pure. Ze Rishon, tu as atteint cette fois-ci la qualité d'huile 1 parfaite de la famille, de la deuxième famille des olives. D'accord? Donc ça fait bête 1. Famille bête, on a dit Aleph, bête Gimel, famille bête, niveau 1. Ensuite, même principe, Ta'an Bakora, il va poser la poutre. Rabbi Yehuda Omer, Bavenim, non, il va poser des pierres. Zécheni, là tu atteins le niveau 2 de la famille bête. Chazar, Betachan, Betahan, ensuite il revient à la charge, il mou, il pose ensuite la poutre. Zéchlichi, là tu atteins la troisième famille. Le troisième niveau de la deuxième famille. De même principe, Harishon la menorah, le premier tu l'utiliseras, le premier que tu as extrait, tu pourras l'utiliser pour la menorah, mais à VHR la menachot et les niveaux 2 et 3 de la famille Bet, tu les utiliseras pour les menachot, pour les oblations. Ensuite, Azayit Hashlishi, la troisième famille d'olives. Cette fois-ci, Otno, donc tu les fais tomber, tu prends tes systèmes classiques. Si tu veux faire trembler l'arbre pour te faire tomber, tu peux aussi le faire si tu veux.
Et ensuite, tu récupères le tout. Ve'otno betor habayit ad shilke. Il le met dans le ma'atan. Alors, le ma'atan, le bartanoï rapporte que c'était quelque chose qui était creusé dans la terre. Le Tiferet d'Israël rapporte que c'était plutôt une sorte de bassine. Et là-bas, il les laisse dedans, ad shilke, jusqu'à, littéralement, que ça se frappe, shit, à pêche, le bartanoï rapporte. Que ça commence un petit peu à, pas à moisir, mais presque, que ça commence à prendre un petit peu, la, vous voyez, quelque chose qui est en train de tourner, qui commence à libérer trop de. Ouais, quand vous prenez des légumes, je sais pas moi, des carottes râpées en boîte, vous les enfermez dans une boîte, au frigidaire même. À un moment, ça va transpirer jusqu'à ce que ça va être juste avant de commencer à pourrir. C'est exactement ça le niveau de shit à pêche. Chez le quai, jusqu'à ce que ça va commencer à être frappé, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça va commencer un petit peu moisir. Pas vraiment moisir, mais en tout cas, ça va commencer maintenant à se ramollir. Ensuite, Uma Aleu, il le fait monter sur le toit. Umena Gevo, et là-bas, il le sèche, parce qu'il ne faut plus laisser maintenant cette acidité. Sur le lime, sinon ça va la piquer et ça va la faire noircir. C'est pas le but. On veut qu'elle mûrisse, qu'elle se ramollisse, on veut pas qu'elle pourrisse. Donc, Omaleo Menagvo Beroshadag, donc il la fait sécher, il la laisse ensuite sur le toit. J'imagine là-bas, je crois qu'il n'est plus vu dans le Bartenora. Mais. Ah oui, Demitor Shout Savour Mechunas, Bimkom Echad Arba Vechamisha Yamim, Zav Melav Mochal Sheino Yafe. Les figures, c'est rien de nouveau. Je sais pas, en tout cas, le fait que. Il faut le faire sécher. Je sais pas, je connais pas exactement le procédé, mais j'ai pas envie de m'engager. Vekotesh, Venantan et Torhassad. Et ensuite, une fois que maintenant t'as fini, elles ont réamolli, t'as réussi à les ramollir. Cette fois-ci, de nouveau, tu les concasses et tu les mets dans le panier. Rabbi Yehuda Omer, si tu as sale, non, Rabbi Yehuda, la charge, tu ne mets pas dans le panier, tu mets tout autour du panier, comme ça coule. L'huile la plus pure, même principe. Et tu atteins Zerichon, tu atteins le niveau 1. De cette famille, Gimel. Donc Gimel 1. Ta'an Bakora. Ensuite, tu reviens à la charge maintenant, tu commences à poser la poutre, Rabbi Yehuda Omer, bah Avani, Rabbi Yehuda va te dire non, tu poses des pierres dessus, moins lourdes que la poutre, au sol antifère d'Israël, une après l'autre, et pas tout d'un coup. Comme ça, il y a moins d'impureté, qui est sévère. Zécheni, tu atteins le deuxième niveau de la famille, Gimel. Chazar, Vetachan, Vetahan. Ensuite, tu recommences, tu mous le tout au moulin. Et tu mets ensuite la poutre dessus, t'extrais la totale. Zeshlishi, t'atteins le niveau 3 de la famille Gimel. Harishon la menorah, Vehachar la menorah. Si vous faites attention, toujours finalement, on a la famille Aleph, famille Bet, famille Gimel. On aura toujours les trois niveaux 1 du Aleph, Bet ou Gimel. Tu pourras les utiliser pour la menorah. Tandis que les niveaux 2 et 3 de chacune des familles, elles seront toujours pour les Menachot. Ok ? Maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est que dans ce cas-là, il y a plein de problèmes qui se posent. Si tu as le niveau 2 et niveau 3, que tu les utilises pour les Menachot, pourquoi alors dans ce cas-là le faire en deux étapes ? T'as qu'à, une fois que tu as fini de faire couler la petite goutte, tu prends tout, tu bois tout, tu fais sortir directement l'huile et puis c'est tout. Tu fais juste deux niveaux, pourquoi tu as besoin de faire trois niveaux ? Ça, on le verra dans la prochaine Mishnah. On va comparer en fait. Dans les trois familles, peut-être qu'il faudrait utiliser le tableau, ce sera peut-être pas mal, où on verra que justement, c'est important d'avoir malgré tout, d'extraire de l'huile malgré tout, qui sera plus la plus pure, mais qui sera quand même relativement plus pure, afin d'apporter toujours le meilleur pour le Menachot. On apprendra que le niveau 2, Aleph 2, Aleph 2, il a le même niveau que Bet 1, et de ce fait, donc tu préféreras. Bref, il y aura des ordres de priorité pour choisir l'huile que l'on apportera dans le Menachot, ce sera la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem. Et comme ça, on finira avant Sukkot, on finira les Mishnayot qui parlent de l'huile, et le lendemain de Sukkot, Bezrat Hashem, on prendra la suite des Mishnayot, avec à présent, comment, d'où apporter le vin, et quel type de vin choisir. Ça fait que dans le même péril qu'on aura eu en fait, la solette, la farine, le blé, après on aurait l'huile, et puis après on continue avec le vin, et c'est tout pour aujourd'hui, je suis plein de hatzlacha, kol tov, salam.